Mercredi dernier, le comité de travail de la démarche commerciale « Je commerce ici » a présenté, lors d'une rencontre extraordinaire qui se tenait au centre Bombardier de la Pocatière, les résultats des données recueillies par le biais des sondages destinés à l'ensemble des gens d'affaires et aux consommateurs du milieu pocatois. Ces deux sondages ont permis de recueillir de l'information sur les habitudes de consommation à la Pocatière. Le premier, dédié aux consommateurs, a été réalisé dans un objectif précis, soit celui de fournir aux entrepreneurs des données qui leur permettront de développer des moyens d'intervention efficaces afin de dynamiser l'économie locale, tout en répondant aux besoins exprimés par la population. Près de 550 consommateurs et près de 130 commerçants ont pris le temps de répondre à ces sondages. À la lumière de ceux-ci, les points qui sont revenus le plus souvent du côté des gens d'affaires est qu'il faut que le milieu pocatois se trouve une image de marque et qu'il change la perception que les consommateurs ont envers lui. Selon le sondage, environ 85 % des consommateurs croient que les chiffres d'affaires des commerçants de la Pocatière sont en diminution. Alors que du côté des gens d'affaires, le sondage montre que seulement 13 % d'entre eux croient que les chiffres sont en diminution et que 44 % croient qu'il est en augmentation. De plus, les gens d'affaires présents à la rencontre ont déterminé qu'ils doivent trouver un moyen pour que les gens qui arrêtent à la station-service, au McDonald's ou au Mike's qui se trouve en bas de la côte, montent cette dernière pour venir découvrir les commerces pocatois. Karel Hood-Hébert, pour le réseau de télévision CMA TV, à la Pocatière.